Monsieur le Bourgmestre, meine Herren Minister, verehrte Damen und Herren, meine Damen und Messieurs, als Ambassadeur von der Bundesrepublik Deutschland ist es für mich vanavond eine große Ehre, eine Ratio von Frau Dr. Imke Hansen zu halten, die vorher aussteckende Doktorarztthesis Nie wieder Auschwitz, die Entstehung eines Symbols und der Alltag einer Gedenkstätte 1945 bis 1945. Und das Seidenwort mit dem Preis Dichting-Auschwitz. Voilà le titre en français, La naissance d'un symbole et le quotidien d'un lieu de commémoration 1945 à 1955. Et on stand von Symbol an de dagliche Leben von einem Gedenkplatz 1945 bis 1945. Das Dichting Auschwitz hat sich seit der Oprichtung in 1989 sehr verdächtlich gemacht. Vor der Bewahrung von der Erinnerung und das Überbringen von Lessen aus der Geschiedenis. In der ersten Platz denke ich hierbei an den recent überlebenden Oprichter von der Stiftung, Baron Paul Halter, die während sein hele Leben unvermüdbar Gezeugnis hat abgelegt und damit viele tausend Zuschauer, waaronder teilweise Lehrlinge, hat können bereiken. Der rote Tag um die Stiftung zu leiden liegt nun in Händen von Henri Goldberg. Die Evidenz all von bei hat Beginn bei was. Il y a peut-être demi année, six mois, que j'avais l'honneur de remettre le Bundesverdienstkreuz lors de Mérite de la République fédérale d'Allemagne au nom du président de la République fédérale d'Allemagne, au baron Halter, c'est-à-dire à sa fille, et quelques jours après, il est mort, et on l'a commémoré ici, dans ce lieu. En même temps, j'avais eu l'honneur de remettre aussi l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne à M. Henri Goldberg à l'époque. Les deux avons travaillé pendant toute leur vie pour la mémoire, mais aussi pour la compréhension de notre histoire. Monsieur Henri Goldberg, vous-même, vous êtes, soi-disant, enfant caché. Vous avez survécu l'Holocauste. J'ai compris que aussi le professeur Engler, qui est votre cousin, était un enfant caché qui a survécu la terreur du nazisme dans votre pays. L'étude de l'antisémitisme et des questions de nationalisme, principalement axée sur l'Europe de l'Est, a toujours été au centre de vos recherches, Madame Hansen. Que ce soit dans le cadre de vos activités auprès du musée d'État d'Auschwitz-Birkenau, sous forme de nombreux discours et présentations ou aussi dans vos préoccupations actuelles d'éditrice de textes ayant pour thème les nouvelles perspectives de la recherche sur les camps de concentration. L'étude de la culture de la mémoire et de la politique du souvenir, de même que l'histoire juive en Europe centrale et de l'Est, représente d'autres points forts du travail académique que vous avez pu accomplir grâce également aux nombreuses bourses qui vous étaient allouées, entre autres celles de la renommée Fondation nationale allemande. Ainsi, vous avez déjà publié un nombre impressionnant de travaux scientifiques, participé à de nombreux projets de recherche et de plus, vous enseignez à la faculté d'histoire de l'Université de Hambourg. Dans votre thèse, gratifié d'un summa cum laude. Vous vous penchez sur la création
d'une culture de la mémoire, ou plus exactement sur l'ancien camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, en tant que symbole des crimes nationaux, nationaux-socialistes dans leur totalité et de sa transformation en lieu commémoratif au cours de la première décennie d'après-guerre. À l'époque, tout comme aujourd'hui, il s'agissait de concilier l'importance historique de ce lieu avec ses contenus symboliques très divers, suivant les nationalités. Ainsi, en Pologne, Auschwitz-Birkenau est surtout perçu comme le symbole de l'occupation allemande et de la persécution d'une ethnie de la population. Votre thèse emprunte une voie novatrice en ce sens, et non incontroversielle, qu'elle se concentre sur des points de vue relevant du quotidien et la petite histoire, permettant ainsi de relativiser les résultats d'études antérieures. De plus, vous avez initié une approche théorique et transnationale cristallisant certaines dynamiques dans les courants de pensée présents au sein de l'étude des lieux commémoratifs. Toutefois, votre thèse est non seulement particulière sur le plan du procédé scientifique utilisé, mais encore et avant tout par l'essence de son contenu. En effet, vous arrivez au résultat étonnant que si le développement de ce lieu commémoratif a certes été marqué par des directives historiques et politiques, il a largement aussi été forgé par les acteurs présents sur le terrain. Monsieur Goldberg, on a discuté ces développements récemment, et il me faut avouer aussi, comme le ministre l'avait dit, je n'ai pas encore lu votre thèse, mais je m'intéresserai beaucoup à lire votre thèse. Par votre thèse, Madame Hansen, mais également par vos domaines d'activité multiples et très variés, vous apportez votre concours précieux dans la mémoire au moment les plus sombres de l'histoire allemande. En outre, vous contribuez de façon inestimable à ce que nous puissions nous acquitter de la responsabilité, nous incombant à tous de maintenir vif le souvenir et de transmettre les leçons du passé à la génération suivante. Nous avons besoin de l'aide de la science pour nous acquitter de cette grande et importante tâche, et c'est dans ce sens que par votre travail, votre contribution est remarquable. Voilà pourquoi je désire vous remercier très sincèrement et vous exprimer toutes mes félicitations à l'occasion du prix hautement mérité qui vous est décerné aujourd'hui. Je suis convaincu que vous l'entendrez comme une motivation à poursuivre vos travaux de recherche. Mit U heeft de Stichting een uitermate waardige prijsdraagster onderscheiden. Ik ben ervan overtuigd dat u, mevrouw Hansen, in de geest van de Stichting en de aan u verleende prijs verder werkzaam zult zijn. Herzlichen Glückwunsch.